Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Paradox et bienvenue dans la suite de A Plague Tale Requiem. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On s'était laissé la dernière fois après la cinématique où les rats ont ravagé la ville, mais littéralement quoi. On a retrouvé la mère d'Amicia et Hugo et on s'apprête à prendre le bateau pour partir à Marseille. Mais avant de débuter la vidéo, les amis, j'ai remarqué que vous étiez plus de 80% de non-abonnés à visionner mes vidéos. Pensez-y, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. C'est gratuit, ça vous prend qu'un clic. Et moi, ça m'aide énormément et ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai sûrement l'info en bas de votre écran. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Donc là, j'imagine qu'on se dirige vers le bateau. En tout cas, ils sont pas pressés. Il y a des rats un peu partout, mais ils prennent leur temps. Au moins, ça nous laisse le temps de profiter de cette très belle chanson. De cette très belle instrumentale. Tous ces gens, c'est trop tard. Continuez. Qui c'est? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Je... Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Les rats, ils ont attaqué. Il me pensait que c'est de sa faute, du non. coup. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non, c'est ma faute. Non. Ce n'est qu'un rêve, d'accord? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens! Tu mens! Hugo, mais je... voilà. S'il te plaît, calme-toi! Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais! On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez. On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Alors, on s'apprête à prendre la mer? Il n'y a que nous. Magister Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas. Ah, il a pas le temps, lui. Chapitre 5 terminé. Enfin, chapitre 4, pardon, terminé. Début du chapitre 5 de notre sillage. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, tu faisais un rêve. On est arrivé? Non, mais c'est plus très loin. Ne regarde pas. Pourquoi? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille.
D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau ? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé ? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Dans les débris, ils nous bloquent le passage. Je vais jeter un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Ok, donc nous sommes donc bloqués par des débris. On va devoir sûrement les retirer ou bien pousser le bateau. Alors, par où on sort là ? Par ici. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. Oh oui, effectivement. Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Ils ont une sacrée force, ça, quand même, pour savoir pousser un bateau. Allez, viens. Et nous, on va devoir chercher un autre chemin. J'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Donc, la caméra nous met par ici, donc ça doit être sûrement par là qu'on doit y aller. Tous est mort. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île, Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question c'est où ? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ? Ça m'est égal. Mais toi tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Alors je doute fort qu'on rattrape le bateau hein, dans la vie réelle. Un passage, vu qu'on doit faire tout le tour et que on n'a pas l'air super rapide. On prend tout notre temps. Mais bon, ce n'est qu'un jeu. La rivière est là. Et là, c'est... Waouh, c'est vraiment beau ici. Les voilà. On dirait un... Bon sang. Un truc. C'est encore pire. Pas à port, mais je sais plus le mot. J'arrive plus à trouver mes mots. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hé, ils sont là-haut. Amicia, reviens. On arrive. Il y a un chemin. Ah si, c'est un pont. Faites vite. Oui. Il est effrayé. Allons-y. Ok, les rats sont déjà
à nos trousses. Que se passe-t-il ? C'est eux ! Ils sont déjà là ! Oula. Ok. Ah, on est en sécurité. Pour ça, va falloir le rouler. La chance. Allez, cours. À savoir si ça reste longtemps éclairé ou pas. C'est un début. Ça a l'air d'être de la paille. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage. Et celle-ci a une manivelle. On devrait tenter le coup. Ouais, mais ça sera pas nous de le faire, je pense. Il ne reste pas en place. Hop. Lucas, c'est pour toi. Bien. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou ? Ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Ok. Alors, là, j'imagine qu'on va devoir de nouveau éclairer, mais le feu ne sera pas assez fort. Ouais. Et donc, on va rajouter de la poix. Alors, comment je dois faire ici ? On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Ok, on va utiliser la grue. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Naturellement. Je vais devoir sûrement. Tu devrais me dire ce que tu as en tête. Me déplacer en même temps. De cette île. Que la paille. Connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Alors je vais peut-être te faire lâcher avant. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Ah ouais non, j'aurais dû le faire avant en fait. Mauvaise idée. Parce que je pensais que on n'aurait pas eu assez de temps si jamais je faisais comme je pensais. Occupe-toi de ça, Lucas. D'accord. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi ? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit, tu dois choisir ton camp. Je pense que le camp qu'il va choisir, ça sera le camp de sa magistrat, comme il l'appelle. De la mère d'Hugo et Amicia. Je sais pas, je le sens pas. Maintenant, j'y vais ! Allez, plus vite ! Va jusqu'à l'escalier. Oh, stylé. Oh, ça tue. C'est trop cool, ça. La pyrite génère de la lumière à l'impact et permet d'échapper aux rats pour une courte période. On va voir combien de temps ça dure. Ok. Ah oh ouais, c'est pas mal. Ok, donc arrivé ici, je peux donc l'enflammer. On va attendre un peu, encore un peu, encore un peu. Maintenant, hop, et c'est à nous de passer. Allez, voilà, allez. On suit la mode de paille. Et on monte ici. Beau travail. Tu vois un moyen pour que je te rejoigne ? Ça fera l'affaire.
Seigneur. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui. C'est juste on doit l'attendre, hein, apparemment. Je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Il est clairement en train de flipper. Hey yeah. Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ah ok, ouais, donc lui il va en face. Plutôt vite. Merci. Oui, il est venu en face. Il est en face et pas ici. C'est la clé. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. Ok, nous on a réussi à aller de l'autre côté. Ici, il y a des bâtons, un établi, un pot. Et lui, comment il nous rejoint du coup? Ok, il y a un truc qui brille là, on doit sûrement le péter. Et on va rééclairer ça. On va aller chercher le coffre aussi en bas. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de retourner? Merci. Ouais. Ça m'aide à prendre de l'élan, je crois. On va voir si on peut améliorer quelque chose. Alors, l'attirail, on peut l'améliorer. Bon, allez, go. C'est bien mieux. Ok. Pour s'éclairer là-bas, j'imagine que c'est là-bas qu'on doit y aller. Mais il y a aussi un... On dirait qu'il y a un chemin là. Un petit ponton. Je pense pas que c'est là-bas. Donc on va prendre ça dans le doute. Bien. On y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. On va se diriger où qu'il y a de la lumière. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Et eux, ils nous attendent juste ici. On doit trouver un moyen de passer. Ok, là. Amicia, j'ai eu peur. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Allez, Lucas. Travaille un peu. Lucas, tu dois le faire. Tout de suite. Ça contrôle un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Ah, c'est coincé. Peut-être c'est quoi, de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Donc là, il y a un chariot. On va le tirer. Oh, c'est en pente. Ok, c'est en pente, donc ça le refait partir vers le bas. J'ai besoin de toi, Lucas. Bien sûr. Alors? Tu trouves un passage? Il y a un trou là. Ah, dégueulasse! Oh là là. Il y a des cadavres ici, quoi. Il y a des morts partout. Oui, il y a des cadavres ici. Oh, ça me dégoûte. Oh, ouf. Pardonnez-moi. Oh, non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. J'ai pas le choix. Voilà, c'est hardcore, hein. Elle est vraiment prête à tout, hein, pour son frère. C'est elle qui se salit le plus. C'est fait. Essaye encore. Ah oui. Tu as réussi. Je t'envoie le bac. Ah c'est bon, oui, c'est fini. Reviens. Oui, j'arrive. J'allais partir de l'autre côté. Oui. Oh. Ah ouais, ça doit être tout vaseux et tout là. Tout va bien. Oh. Prête.
tu m'étonnes. Prends ton temps. J'attends ton signal. Ok, donc lui, il va nous envoyer de l'autre côté. Tu peux arrêter maintenant. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Ah, ça c'est sûr. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, c'est un peu à cause de lui, hein. Pas maintenant, Amicia. Qui fait, qui tape toutes ces crises et tout là. Que tout ça s'est réveillé. Bien, il faut dégager. Donc là, il y a un coffre. D'une façon ou d'une autre. Là aussi. Je cherche. Il y a une échelle là. Je me demande si ça mène quelque part. Il doit y avoir un étage en haut. Forcément quelque chose ici. Ça pourrait marcher. Lucas, donc ça, ça doit être une sorte de gros poids. Ouais. Ah ouais, ça a tout fracassé. Et donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça aura libéré un chemin. Je vais pas me faire écraser. Ici. Comment elle va revenir? Bon, la chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arrimer aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention, sois prudente. Oui, oui. Donc ça, ça mène à mon avis au coffre qu'on a vu là. Je me moque bien d'être en sécurité. Et on avait vu une échelle aussi, je sais pas par où aller. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Du fragment, un outil, garde-toi. Du soufre. Concentre-toi. On va aller voir derrière s'il n'y a pas un truc de caché. Donc l'échelle, elle est là. Ah, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas de couteau. Alors ça, c'est dommage. Il doit sûrement y avoir des trucs intéressants dedans. Donc ça, c'était un pont en construction, apparemment. Et des échafaudages un peu partout. Grimper ici. Bien, une étape franchie. Lucas, où es-tu? Mère, Lucas n'est pas avec vous? Non, on l'a perdu de vue. Comment? Qu'est-ce qu'il fabrique? Ok, donc là-dessus, on va devoir mettre le chariot, je pense, pour pouvoir grimper aussi de ce côté-là. Parce qu'ici, c'est trop haut. Revenir maintenant. Alors. Ah oui, il est là, ok. Viens ici, j'ai besoin de toi. Elle doit être sacrément athlétique, hein, avec tout ce qu'elle pousse et tout ce qu'elle marche, tout ce qu'elle court, etc., etc. Elle doit avoir une force du tonnerre aussi pour savoir déplacer des trucs comme ça. Allons-y. Bien. Trouver une île. Comment tu vas faire ça? Peut-être en demandant à Joseph. Je suis sûr que tu vas y arriver. Que tu vas trouver cette île. Allez, hop. Mmh.
capacité d'opportunisme débloquée, rien ne se perd. C'est pas vrai. Oh non, les hommes d'Arnaud. Ne me touchez pas. Tu vises et tu tires, c'est ça. Allez, recharge. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Qu'est-ce que vous dites de ça? Lâchez-moi. Oh, tu sens le coup puissant qui part là. Je tremble comme une feuille. Merci. Il y a trop de rats. Je ne peux pas vous rejoindre. Amicia, dégage-lui un passage. Comment? Fixe de lignifère sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il devrait continuer à brûler. Compris. Lucas, donc je te les... dans la le truc là. Compris. Merci. Ça ira. Je commence à voir un chemin. C'est bon, tu peux venir. Oui. Bravo. Ouais, c'est hyper pratique ça, dis donc. Est-ce que ça va? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Eh bien, c'est parti! Vas-y. Essaie! Vous êtes protégé derrière la tourelle tant que vous ne visez pas. Remontez la rivière, encerclez-les. Vous leur avez fait quoi? Je me suis juste défendu. Ah, j'aime beaucoup ici. Hein. Le cadre, il est plutôt joli. Puis ce qui se passe, ce qu'on y fait aussi, c'est cool. Ouf. Ah, j'ai raté. Alors sur la droite. Je vais devoir le brûler. Ok, donc ici on est bon. C'est archi stylé entre les falaises là. Et voilà. Alors, vous aimez ça? Oh, Seigneur, c'est la folie. À droite, la muraille nous envoie toutes ses forces. C'est une fichée guerre. J'ai jamais demandé ça. Mais je tuerai ce porc d'Arnaud s'il le faut. On les aura au fond. C'est nos hommes qui arrivent. Allez-y. Et dites-leur qu'ils sont déjà morts. Ah, c'est trop bien, j'adore. Bon, ça va, ça se déroule plutôt bien. Oh merde! Joseph est mort! Ne sortez pas! Protégez Hugo! On perd notre capitaine! Et on se fait attraper. Allez, c'est parti! Alors, on a une arbalète! Alors, ça, c'est nouveau, ça, qu'on ait une arbalète. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Recycler? Et ça fait quoi, recycler? Oh merde! Oh putain! Mais non, je tire dans son casque, sérieux. À l'attaque!
la probabilité que ça puisse arriver. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Alors je vais peut-être garder les fléchettes pour ce. Pas besoin de les utiliser contre cela. Ah, il m'a eu! Il m'en reste une de flèche. Est-ce que je peux en récupérer? Wow. Allez, tire ta flèche. Ok. À mon tour, moi je vais pas te louper par contre. Rapprocher parce qu'on n'arrive pas à l'avoir d'ici lui. On va attendre que la vie elle remonte. C'est ok. Bien, maintenant, oui, nous y sommes parvenus. Coupez les cordes. Les cordes, donc elles sont en hauteur. Il va falloir monter. Des grosses cordes comme ça avec une pierre, t'as du courage hein. Pas si vite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non. Et là, on court. Je suis là. On essaie de s'échapper. Tu te bats contre un guerrier en armure. Pourquoi tu fais? Rien lui faire. Je suis venu le bateau, pour toi. Sam, retourne aux cordes. Regarde. Il est autant rapide que nous alors qu'il a une grosse armure. Va comprendre. On a eu chaud là. T'arrêtes pas. Quand on tue, on doit être prêt à se faire tuer. Ça semble juste, non? Reste calme. Arrête de trembler. Ne le laisse pas approcher. Ah, c'est magnifique ici. Recule. Tu peux encore y arriver. Le bateau. Oui. Ah, le revoilà. Oh là là. Non, non, allez au diable. Alors quoi? Je croyais que tu voulais mourir. C'est ça. Va rentrer dans un trou. Ça te ressemble bien. Je t'aurai quand même. Bah, je suis pas sûr moi. T'es en sécurité. Pour l'instant. Fille est dans les respire. Parages. Essayez de la trouver. Où est-ce que tu vas? Je vais m'occuper de sa famille. Alors on peut passer par là ou par ici? Non. C'est un peu, ça doit te parler, je pense. Ah ouais, non, ok. Je dois atteindre le bateau avant lui. C'est peut-être risqué de passer par ici. Fais quelque chose. On va essayer de passer par le trou. Je sais pas si ça mène au même endroit ou pas. Bon, en fait, j'arrive derrière eux, ok. Alors je pourrais le tuer, ça serait la solution de facilité, mais on va essayer de jouer le jeu et passer en toute discrétion. Donc lui il est en train de chercher en dessous des trucs, des murs. Faut pas qu'il se retourne surtout. On s'apprête à courir au cas où. Non. Oh c'est bon, on est passé. Mais... Allez. Ah oui. Ils m'ont vu, ils m'ont capté, ok. Là, c'est chaud là. Je suis trop loin. Si tu les touches. Ah, Hugo. Plus vite. Chopez-la. Reste où tu es. Oh, alors on joue plus? Tu vas voir si chaud. Oh, la vache. Oh,
Ouh, aïe aïe aïe. Ouh là là, ça doit faire tellement mal ça. Amicia, non. Bougez pas ou je vous tue. Il faut l'aider. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo. Regardez ça. Voilà tes renforts. Pas mourir, hein? Non! Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Qu'est-ce que vous attendez? Ils vont pas les suivre! Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Chapitre 6. Tout laisser derrière. Naviguer en bateau. Hmm? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore. Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île ? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment ? Je vais t'aider. Doucement, d'accord ? Oui. C'est bon. Déjà ? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se laisser, les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que je suis sûr à répéter ça à chaque fois. Mais c'est très important pour moi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez quelques remarques à faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Bye bye.